Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver ce nouveau mercredi pour un tirage, un message du royaume des plantes pour cette semaine. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à poser une intention ouverte ou fermée, comme vous voulez. Et on va voir quel est le message qui sort pour le collectif aujourd'hui. J'invite à vous centrer, à poser votre intention pendant que je mélange les cartes et on va voir ce qui sort aujourd'hui. Ah, c'est l'orange. L'orange qui nous dit « Ouvre-toi au champ des possibles ». Alors, c'est vrai que l'orange, c'est vraiment la... C'est la plante de toutes les possibilités. On dit souvent que l'huile essentielle d'orange, c'est l'huile essentielle de l'abondance. Et autant on peut en effet en diffuser pour se connecter à cette énergie de l'abondance. C'est une huile aussi qui nous ouvre justement à, comme ça le dit, aux possibilités, à toutes les possibilités. Donc, c'est une bonne occasion finalement de redéfinir ce que signifie l'abondance pour nous. Souvent, quand on entend abondance, on pense à l'argent, on parle beaucoup d'abondance financière, et bien sûr que ça en fait partie. Mais cette carte, c'est une invitation aussi justement à élargir notre définition de l'abondance et à définir plus précisément quel type d'abondance on a envie d'attirer dans notre vie maintenant. Quelle est la sphère de vie, par exemple, où on a envie de s'ouvrir à davantage de possibilités, à des possibilités qu'on n'a peut-être même pas imaginées possibles justement jusque-là. Et donc, s'ouvrir à ça. C'est aussi ça l'abondance finalement, c'est de ne pas se limiter à ce qu'on croit être possible, à ce que notre mental est capable d'imaginer, mais de s'ouvrir beaucoup plus largement finalement à ce qui pourrait être possible. Donc, on va aller lire le message dans le livret qui accompagne les cartes pour l'orange. Alors, donc l'orange, elle nous dit « Ouvre-toi au champ des possibles. Tout est possible. Reconnecte-toi à l'enfant que tu as été, qui débordait d'imagination et dont la créativité ne connaissait pas de limites. Libère-toi des limites que tu t'es imposées depuis et autorise-toi à recevoir les cadeaux de la vie en abondance. Quel que soit le défi auquel tu fais face, ouvre-toi à toutes les solutions possibles, même si tu ne les vois pas pour le moment. Tu es abondance. » Et si vous avez envie d'utiliser l'huile essentielle d'orange justement pour vous ouvrir à toutes ces possibilités, vous pouvez la diffuser, vous pouvez la respirer directement au flacon en ouvrant votre cœur et en appelant à vous toutes ces possibilités dont vous avez pu vous couper. Donc encore une fois, vraiment, cette orange, elle nous rappelle que c'est humain en même temps de se limiter à ce que notre mental peut imaginer finalement. On se limite aussi par ce qu'on a déjà vécu et donc si on a déjà atteint tel niveau d'abondance ou on a déjà trouvé telle solution ou vécu telle ou telle situation, on a tendance à se limiter à ça. On se dit « Ah ok, c'est ça qui est possible alors ». Alors que vraiment l'orange, elle nous invite justement à casser toutes ces barrières, toutes ces limites et à prendre conscience qu'il y a tellement plus qui est disponible pour nous. On n'a pas besoin de savoir quoi, on n'a pas besoin de savoir comment y accéder, mais simplement vraiment l'invitation de l'orange, c'est de s'ouvrir à toutes ces possibilités. C'est d'ouvrir notre conscience en fait, d'élargir notre conscience et de prendre conscience justement qu'il y a tellement, tellement plus qui est là en fait, qui est disponible pour nous et qui est possible. Donc, que ce soit si vous avez un défi en particulier ou une problématique ou que ce soit d'une manière générale dans votre vie, l'invitation de l'orange, c'est vraiment de vous ouvrir à lâcher le comment, lâcher les limites que vous avez pu vous poser et vraiment
Voilà, vous ouvrir à recevoir toutes les surprises de la vie, les cadeaux aussi, et toutes ces possibilités qui existent là pour vous à un niveau ou à un autre. Donc voilà, le message de l'orange pour cette semaine, ouvre-toi au champ des possibles. Si vous avez envie d'avoir les messages du royaume des plantes chez vous, le coffret d'évolution est toujours disponible sur mon site web. Vous trouverez d'ailleurs le lien en bio. Sur Instagram et sous cette vidéo sur les autres plateformes. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.